Le gars que vous voyez à l'écran, il court proche de 3 minutes par kilomètre et il tient ça sur 21 km. Je vous présente Marc-Antoine, il a couru 1h04.56 sur semi le 1er mai 2022, 19,8 km/h, 3,05 par kilomètre, ça revient à courir 30 minutes 46 sur 10 km deux fois. Pourtant, 5 ans plus tôt, il courait 17 minutes au 5 km, soit 1h16 au semi, un bon chrono, vous me direz, mais qui n'est rien comparé à ce 1h04. Une poignée de Français a couru aussi vite que ça en 2021, autant vous dire qu'au Québec, sa progression a fait jaser. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de la preuve irréfutable que la perte de cheveux permet de faire de très très gros chronos, non, on va plutôt voir comment Marc-Antoine est passé d'un niveau local à un niveau presque national en seulement quelques années. Marc-Antoine m'a été d'une grande aide pour faire cette vidéo, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui pendant presque 2 heures et j'ai eu accès à tout son entraînement avant son semi. Aujourd'hui, je vous résume son histoire, mais surtout j'analyse les raisons de sa fulgurante progression et je vous fais un petit résumé en fin de vidéo. Si ce nouveau format vous plaît, dites-le moi, j'en referai d'autres avec plaisir, c'est parti. Marc-Antoine commence la course à 15 ans car je cite « ça a l'air de faire mal, du coup j'ai envie d'essayer et de suivre les meilleurs ». Je crois que ça décrit pas mal le personnage. Le gars il tombe vite amoureux du cross-country mais à ses débuts c'est un coureur compétitif dans la moyenne. Il court son premier 1500 mètres en 4,46 et me dit que dès le début il est attiré par l'endurance, pas un grand fan de la piste où il se sent moins bon. Entre 17 et 19 ans, le mec il borne 40 km par semaine et il parvient à courir 37,30 au 10 et 17,30 au 5. Tôt dans sa carrière, il tente de s'auto-coacher, pas comme ça mais plutôt comme ça. Mais c'est pas un gros succès, il est moins motivé et à ce moment-là, son but, c'est pas vraiment devenir un excellent coureur. Le premier tournant de sa carrière, c'est quand il rentre à l'université. Le cross-country lui donne le goût de se défoncer pour son équipe et c'est aussi le moment où tes partenaires d'entraînement sont aussi tes potes et ça, il kiffe. À l'université, il accepte de se faire coacher, il se dit que ça l'aidera à devenir aussi bon que les autres gars qui courent 16-30 au 5K, mais il personnalise son plan à son profil, il a juste un peu le volume, il se fait son petit programme de muscu, etc. À ce moment-là, Marc-Antoine, il court environ 60-70 km par semaine et tape le 34-19 au 10 km, pas mal après quelques années de course. Saison après saison, ses chronos descendent alors qu'il remonte au classement des courses de cross-country, mais rien d'exceptionnel, c'est une progression normale. Dès sa deuxième année, il est le meilleur coureur de son équipe universitaire, c'est un gros step, mais toujours très loin des meilleurs coureurs qui sont tous dans les mêmes universités, du genre Québec, McGill, etc. Il se qualifie même pour les championnats canadiens et fait un top 20 aux provinciaux, en gros c'est l'équivalent des régionaux au Canada. Durant sa carrière universitaire, elle casse le 9 minutes aux 3000 mètres, c'est un bon chrono, hein, mais encore loin de son niveau actuel. En l'espace de 5-6 ans, son volume a augmenté graduellement, passant de 40 km à 100 km par semaine, soit environ 10 à 15 km d'augmentation par an. Pour moi, 70 km par semaine à 19, 20, 21 ans, c'était pas facile. Et ça, c'est l'évolution de ses chronos aux 5 km ou équivalence. Il est passé de 17,36 à 15,57 en 5 ans. Super progression, mais on n'est pas encore dans l'époustouflant. Si son arrivée à l'université, c'est le premier tournant de sa carrière, cette dernière va prendre une autre dimension après avoir gradué. Durant sa première année post-universitaire, il court 30-24 au 10 000, ce qui représente un gros palier, mais plus impressionnant encore, en 2021, alors que les courses officielles ont disparu des radars, il sort un énorme 1h05 au semi, tout seul, en time trial, juste avec ses amis pour l'encourager. Forcément, les mauvaises langues crient au bug GPS, d'autres sont tout simplement suspicieux, et quelque part, je les comprends, ce serait pas la première fois que Strava exagère un chrono. Souvenez-vous de Tom Pidcock, c'était le cycliste qui avait prétendument couru 13 minutes 25 sur 5 km route, en s'offrant le record de Mo Farah au passage, tout ça en solitaire et en kawaii, bien sûr. Il y avait des nombreux sceptiques, ça me dérangeait tellement pas parce que moi je me disais continuez de pas y croire mais vous allez faire le saut d'un coup. Quelques mois plus tard, Marc-Antoine y prend part à un demi officiel cette fois. Il n'a qu'une seule envie, montrer que son 1,05 il est legit, mais il termine deuxième en 1,6 genre 30. Seulement ce que je savais pas à l'époque, parce que j'avais aussi couru cette course, c'est qu'il revenait tout juste de blessure, donc forcément il était pas au top de sa forme. L'explication logique de cette progression selon moi, c'est que Marc-Antoine il a commencé son entreprise de coaching en course à pied. Du coup, bah, faire de gros chronos, c'est un peu une bonne façon de se faire connaître et de trouver de nouveaux clients. En parlant de son entreprise de coaching, je vous mets le lien de son site en description. En vrai, vu tous les échanges que j'ai eus avec Marc-Antoine, je pense pas trop mouiller en disant que ça doit vraiment être un très bon coach. L'autre explication de sa percée, c'est qu'il se coach de nouveau lui-même, sauf que cette fois-ci, bah, il détient une maîtrise en sciences de l'activité physique avec une spécialisation en périodisation de l'entraînement, en course à pied, de meilleures connaissances, plus de volume et un certain talent, ça donne de gros chronos. Je venais de battre des gars
Ça faisait des mois que je pensais dans mon garage, sur mon tapis roulant, de courir, juste pouvoir peut-être courir avec eux, tu sais. Toutefois, ce n'est qu'un an plus tard, en 2022, lors de la même course, que Marc-Antoine aura une nouvelle chance de prouver qu'il peut courir 1h05. C'est un peu le moment que tout le monde attendait et on n'a pas été déçus puisqu'il prouve enfin son vrai niveau, mais mieux, en courant un astronomique 1h04-56 en solitaire et en devançant un très bon coureur par presque 2 minutes. 1h54-56, ça équivaut à 2h15 au marathon, 29-26 au 10 et 14-06 au 5. Des équivalences dont il ne s'est même pas rapproché encore, mais ça démontre vraiment le niveau de la performance. Concernant son entraînement, il m'a carrément envoyé son plan Excel et je le remercie. J'ai pris beaucoup de plaisir à disséquer les 9 semaines avant son 1.04. On va voir ensemble ce que j'ai retenu. Déjà, avant ces 9 semaines plus spécifiques, il avait une belle constance pendant tout l'hiver. Sa forme, elle devait donc être très bonne. Puis il y a un truc qui m'a perturbé aussi, c'est qu'il découpe ses semaines du dimanche au samedi. Alors oui, c'est un petit détail, mais ça démontre bien qu'il a développé son propre système et qu'il n'hésite pas à faire les choses à sa manière. Ensuite, le point notable, c'est qu'il a couru un très bon volume, une moyenne de 110 km par semaine, avant son semi, avec un pic à 140, soit son plus gros volume à vie tout simplement. Et sur ses easy jogs, il courait souvent entre 4,10 et 4,20 par kilomètre, ce qui est parfaitement logique pour un gars de son niveau, ça fait à peu près du 60-65% de VMA, ce qui démontre deux choses. Un, son volume semble adapté, et deux, ses séances doivent être vraiment courues en contrôle, sinon il aurait vraiment de la misère à jogger à cette vitesse, ou alors il serait vite en surentraînement. Ces easy jogs, ils sont assez longs, avec une moyenne proche de 17 km par sortie, et comme ils sont courus à un bon rythme, bah, ça doit entraîner de très bonnes adaptations aérobiques à long terme. Même ces longues sorties, d'ailleurs, elles étaient courues autour de 4,10 par kilomètre, et il n'a jamais dépassé 25 km en une sortie. Au niveau de ces séances, je vous les mets ici, n'hésitez pas à faire pause pour regarder ça de plus près. Aussi, durant notre échange, Marc-Antoine me disait faire pas mal de VMA et un peu de seuil. Je pensais donc qu'il avait une approche dite polarisée, c'est-à-dire plus de qualité en zone 3 qu'en zone 2, sachant que ce qui sépare en fait les deux zones, c'est le seuil anaérobique, soit votre effort maximal pendant une heure, l'allure 15 km pour un coureur de 40 minutes au 10 kg. Mais en fait, je dirais qu'il a plutôt une approche qu'on appelle HVLIT, ou seuil, qui consiste à cumuler plus de volume en zone 2 qu'en zone 3. Après, il faut noter que son travail de seuil, bah, du coup, il est à la frontière de ces deux zones, donc c'est un parti pris. Est-ce qu'on met ses entraînements à gauche ou à droite? Personnellement, j'ai pris le parti de mettre ces entraînements-là en zone 2. Ce qui est sûr, c'est que son travail de VMA est faible par rapport aux allures 10 km à semi qu'il travaille beaucoup plus. Ça lui est arrivé une seule fois de faire une séance de 200 mètres durant ces 9 semaines et il cumule beaucoup, beaucoup, beaucoup de longs intervalles du genre 1 km, 2 km, 3 km et parfois il fait même des super longues répétitions du genre 5 km ou 8 km à peu près autour du seuil. Un truc vraiment intéressant qu'il m'a confié, c'est qu'il se laisse toujours le choix de courir ces longs intervalles en continu et ça évite souvent d'aller trop vite à l'entraînement. Quand je fais des séances comme ça qui sont planifiées pour être au seuil là, ou au pèse demi, je me laisse tout le temps la marge de manœuvre de le faire en continu. T'sais, imaginons que j'ai 4 fois 2 km. Si je me sens bien, je suis censé être capable de faire 8 d'un coup. En regardant ses séances sur Strava, j'avais l'impression qu'il était toujours très très proche de son seuil que j'estime autour de 3,03 par kilomètre quand il est top shape. Ce qui est sûr, c'est que son entraînement, globalement, il est vraiment polarisé. Ça veut dire qu'il enchaîne les séances faciles, difficiles, etc. Il a souvent de bonnes séances, hein, on va pas se mentir, mais il semble très constant dans l'exécution de celles-ci. Ce sont des séances exigeante, mais jamais couru trop vite, semble-t-il, genre vraiment entre côte 7 et côte 8. Dans un plan là, sur 20 semaines, il doit avoir une ou deux fois quelque chose qui dépasse 8. T'sais. Le meilleur exemple de ça, c'est la fois où il a fait une séance qui m'a littéralement scotché. On parle de 2 fois 5 km courus en 15.03, puis 15.01 à J-23 avant son semi. Premièrement, le gars, il est assez smart pour ne pas être tenté de courir sub 15 alors qu'il aurait pu le faire. Ça lui aurait rapporté un maximum de kudos sur Strava. Deuxièmement, la séance est tout simplement monstrueuse, mais selon ses dires, il n'était pas plus que cote 8 sur 10. Durant ces 9 semaines, il a pris seulement un jour de repos complet, ce qui est peu. J'ai toujours tendance à préconiser un repos complet tous les 10 jours ou même mieux une fois par semaine, comme quoi bah, il n'y a pas une seule façon de s'entraîner. Il fait aussi des doubles plusieurs fois par semaine, genre 12 kg le matin, 6 kg le soir, et il fait aussi des strides de temps en temps, genre 5 fois 100 mètres, allure 1000 mètres, mais en vrai, c'est assez rare de ce que j'ai vu. Au niveau de sa progression, elle est logique, mais elle n'est pas forcément linéaire, puisque son 1.4.56, il est quand même une coche au-dessus de ses anciennes performances. Et en vrai, c'est ça aussi qui est beau dans notre sport. Tu t'entraînes dur pendant longtemps pour faire de gros chronos.
mais tu sais jamais quand ce jour-là il va arriver en fait. Ensuite, durant notre appel, on a beaucoup parlé de récupération, c'est un aspect qui ne néglige sous aucun prétexte, hein, je cite. Il me confie notamment ne jamais dormir moins de 8 heures par nuit et pousser parfois jusqu'à 9 heures. Il semble avoir une bonne relation aussi avec la nourriture. Je suis vraiment pas un freak, mais je mange bien, tu sais. Il y a tout le temps des légumes, j'ai tout le temps suffisamment de protéines, je mange beaucoup de glucides, c'est varié, c'est des assiettes que je me cuisine. Okay. Mais en contrepartie, je me prive pas, là. J'ai des biscuits à la maison, je mets beaucoup de sirop d'érable sur mon pain doré, quelqu'un qui apporte des jujubes à la maison, j'en mange jusqu'à ce qu'il en reste plus. On en fait tellement... Il faudrait pas que j'enlève tout plaisir de la vie. Là, et il n'hésite pas à prendre plusieurs jours de easy jog après un effort intense. Le meilleur exemple de ça, c'est après une course de 15 km, la course des Pichoux, une course qu'il avait remportée devant des bons coureurs. Il avait eu l'intelligence de prendre 4 jours de jog facile avant de reprendre le travail de qualité. En fait, le secret de Marc-Antoine, c'est qu'il arrive à être bon partout sans chercher à être parfait nulle part. Il ne délaisse aucun aspect, il est sérieux mais pas obsessif compulsif, il ne tombe pas dans le piège du tout ou rien qui consiste à investir une quantité excessive d'énergie dans un aspect de l'entraînement qui est parfois surestimé. Et peut-être plus important encore, il connaît l'ordre de ses priorités pour devenir un bon coureur et il s'y tient. Finalement, je n'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais le gars, il a vraiment, vraiment, vraiment un énorme mental. Il sait se pousser au-delà de ses limites durant les compétitions et ça s'entend. Mon analyse de doctorat en psychologie qui sera jamais psychologue, c'est que Marc-Antoine, il semble plus intéressé par la quête de progression, de dépassement de soi, que par devenir une star de la course à pied. Il a vraiment un goût authentique pour l'effort à mon avis, mais se voit pas comme un coureur très talentueux, alors que ses chronos prouvent le contraire. Du coup, il a pas d'attente irréaliste envers lui-même, et il est sûrement moins déçu et moins stressé s'il ne performe pas. Ça le place dans une position un peu d'outsider, ce qui réduit la pression sociale de performance et ça crée aussi un contexte psychologique qui est favorable à la performance, du moins pour le moment. Maintenant, je vais tenter de vous résumer les choses qui me semblent être à l'origine de sa réussite. D'abord, il se fixe des objectifs de processus qui sont plus orientés sur les moyens pour devenir un bon coureur, par opposition aux objectifs de performance qui consistent à viser un chrono précis. Selon moi, c'est malin car je pense sincèrement que les coureurs perdent trop d'énergie à viser un chrono random alors qu'ils pourraient simplement essayer de mieux s'entraîner et de voir le résultat un peu comme une conséquence ou une surprise. Tu sais, quand je me mettais mes objectifs annuels, c'était pas uniquement des temps de performance, c'était beaucoup sur l'entraînement aussi. Là. Je veux faire plus de volume, je veux augmenter mes charges au deadlift et au squat. Ensuite, il est constant à l'entraînement, il enchaîne les semaines et les saisons, il respecte l'effort établi, toujours sous maximal à l'entraînement, il fait de bonnes séances, mais rarement plus que cote 8. Pour moi, le truc numéro 1 qui a changé, c'est que je me donne moins à l'entraînement d'intensité. Tu sais, je suis un gars qui adore ça me dépasser. Tu sais, dans une course, là, je sors de ma zone de confort. Tu sais, je finis pas une course à 9 sur 10. Je la finis complètement vidée, puis j'aime ça. Mais je le faisais à l'entraînement tout le temps. Tu sais, je voulais pas laisser une personne me battre sur une répétition. Il met autant d'attention sur sa récupération que sur son entraînement, chose souvent négligée. Et il dort entre 8 et 9 heures par nuit. Côté nutrition, il mange diversifié, il ne se prive pas. Musculation, on n'en a pas trop parlé, mais il la considère comme importante, mais accessoire. Faire le 20% pour avoir 80% de résultats. En gros, il vise l'augmentation de la force avec des squats, par exemple, une fois par semaine, et de la périodisation avec une routine de mobilité, de l'automassage, etc. C'est essentiellement mon but avant une course importante, c'est d'avoir augmenté éventuellement ma force. Puis vers la fin, je transforme un peu en puissance. Fait que tu as un peu plus d'accent sur le système neuromusculaire davantage. Là. Okay. Tu sais, je vais commencer avec des répétitions de 8. La semaine d'après, c'est 6. Puis la semaine d'après, on était à 4-5. Comme je vous disais, en gros, un peu de tout, mais rien en excès. Le bon dosage, quoi. Il a créé la recette qui fonctionne pour lui. Et finalement, il s'est spécialisé. Il a trouvé la distance à laquelle il était le meilleur, soit le semi, et il s'y tient. Pour conclure, cette analyse détaillée, elle m'a motivé à améliorer certains aspects de mon entraînement. Par exemple, j'aimerais reprendre un peu de muscu à l'occasion, mais ça m'a surtout rappelé l'importance de faire, certes, de bons efforts à l'entraînement, mais toujours en contrôle et de m'accorder plus de récupération entre les grosses séances ou après une course. Ce que j'aime avec Marc-Antoine, c'est son côté « je me prends pas trop au sérieux » alors que le gars fait partie des meilleurs coureurs sur semi-marathon au Canada. Et pour cette humilité qui me paraît authentique, je lui tire mon chapeau. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Ciao.